Notre point de vue, c'est les quartiers populaires, les docks, les usines, etc. C'est notre train de travail et pas le train de travail des fachos de l'extrême droite. Et essayer de reconstruire cette fierté de classe, reconstruire ce syndicalisme. Mm-hmm. Bon, c'est reconstruire tout ça, c'est difficile. Mais bon, nous, on le dit, c'est notre terrain de travail. Et en plus, dans le 19e siècle, c'était pas facile non plus. On avait des journées de 14 heures de travail. Oui, oui. Les gens étaient en alphabétique, etc. Il n'y avait pas de droits syndicaux, il n'y avait rien. On devrait construire tout au 19e siècle. Et donc, ça, on l'a fait aussi comme mouvement ouvrier. Et maintenant, on doit reconstruire. Et nous, on croit que la nostalgie peut être un ennemi aussi. Parce qu'il y a tous ceux qui ont connu les années 60-70 avec des rapports de force qui étaient bel et bien. Ah oui. Et ils ont vu le déclin depuis 10, 20, 30, 40. Mais la nostalgie peut être aussi un ennemi pour la reconstruction. Parce que la réalité est qu'elle est aujourd'hui, il faut reconstruire beaucoup, il faut rebâtir, il faut recommencer à semer des grains de résistance, réexpliquer la nécessité d'organisation, de se mobiliser, de se conscientiser avec les méthodes modernes, évidemment.